Allô? Comment Allô? ça va? Ça va toi? Ça va bien. Un peu stressée, mais ça va. Peine, Juste un petit moi, à peine. Est-ce qu'on commence par se présenter? Ok, je vais t'y aller en premier. OK, je peux y aller en premier. Ben, je m'appelle Laura. Je suis poète. Je suis étudiante. J'ai étudié en communication et cinéma au Cégep de Limoilou. Puis en ce moment, j'entreprends des études en droit. Je fais partie du collectif de poésie féministe Les Allumeuses, qui est un collectif artistique interdisciplinaire qui mélange la performance, la poésie, les arts, textiles, la danse, pour partager des idées féministes et créer des espaces de rencontres. Et je publie mon premier recueil, J'ai mémoire à l'automne. J'ai très, très hâte. Je suis très, très, très nerveuse, mais j'ai très hâte. Puis c'est vraiment un grand bonheur de travailler avec l'équipe de Mémoire d'Encrier. Puis, mais j'ai été libraire chez Pantoute. C'est de là qu'on se connaît d'ailleurs. Donc, c'est ça. Est-ce que tu as déjà ton titre? Est-ce que c'est un J'ai peu... mon titre. Peut-être que tu peux pas le dire. J'ai mon titre. Puis j'avais dit mon titre à plein de personnes. Finalement, j'ai changé mon titre. OK. Donc, quand je dis mon titre à personne, puis les gens vont voir le titre quand ils vont aller en librairie Parfait. pour voir le recueil. Mais ça sort, ça tourne. Parfait. Oui, c'est le fun d'avoir un petit secret comme ça. OK. Puis, toi aussi, tu peux parler de... Tu as fait beaucoup de danse aussi. Oui, j'ai fait de la danse pendant presque 5 ans, je pense, avec Entracte, Production Entracte, qui est un organisme de développement artistique basé dans la cité Limoilou à Québec, qui offre des activités de formation artistique en danse, en théâtre et en improvisation. Ils ont fait du slam, ils ont fait du cinéma aussi par le passé, pour des personnes qui vivent avec des limitations fonctionnelles ou physiques. Puis j'ai été complice, bénévole, en fait, là, auprès de cet organisme-là, à partir de mon secondaire 3, je crois. Puis j'ai continué ça pendant que j'étais au cégep, jusqu'à temps de quitter Québec. Imagine, oui. Je m'en ennuie beaucoup, beaucoup, beaucoup de ma petite famille d'Entracte. Puis j'ai Je trop pense hâte qu'on est gentil, sûrement. de les revoir. J'espère. Peut-être qu'ils se disent qu'ils sont contents que je sois partie. Ben J'espère non. Quelqu'un d'aussi fidèle, puis t'es aimé tellement, là, c'était beau comme alliance avec eux. OK. Et que là, c'est à mon tour de me présenter. T'en veux pas la danse, toi aussi? Oui. J'ai fait de la danse. La danse fait quand même partie encore de mes écrits, malgré moi, aujourd'hui. Donc, oui, moi, c'est Elisabeth. Donc, je suis auteure de romans pour ados, ben, de ma vie de gâteau sec et ma vie de jello mou. Oui! aux éditions Les Malins. En fait, c'est tout récent, là. Ma vie de gâteau sec est sortie cet automne. Ma vie de jello mou est sortie le 5 mars. Donc, juste avant cette pandémie merveilleuse. Et puis, donc ça, c'est des romans pour, ouais, pour ados. J'écris aussi du théâtre. Je suis productrice aussi. J'ai ma compagnie de théâtre qui s'appelle Théâtre pour pas être tout seul à Québec, où on essaie de créer du théâtre pour tout public. On essaie de faire du théâtre jeune public gratuit dans les parcs extérieurs. C'est une jeune compagnie aussi, là. De théâtre. Et je suis libraire jeunesse à la librairie Pantoute à Québec. Puis c'est ça, c'est là qu'on s'est connus dans les années passées. Ben, tu viens faire ton tour encore. Mais c'est notre petit lieu là, de connaissance. Là. On s'est connus à travers les livres, en fait. Ouais. C'est ça. Fait que là, t'as fait de la danse. T'as pas dit que t'as fait du théâtre aussi. T'as une formation en théâtre. T'as ta compagnie, mais t'as été comédienne aussi. Oui, ben j'ai comme fait un bac multidisciplinaire en fait à l'Université Laval, donc qui combinait théâtre, service social et création littéraire. Qui je pense qu'aujourd'hui, peut-être que dans le temps,
ça avait l'air un peu étrange comme mix, mais aujourd'hui, mon Dieu, que ça répond à tout ce que je suis, tout ce que j'aime et tout ce que j'écris. Je trouve vraiment que ça comme créé là, le lien fort là, pour mes thématiques, pour mes histoires. Je trouve ça drôle d'avoir... Tu sais, c'était pas tant réfléchi comme bac multidisciplinaire, mais finalement, ça me ressemble beaucoup. Est-ce que quand il y a des thématiques que tu veux aborder, tu sais déjà dans quelle discipline tu as le goût de le faire? Est-ce que tu dis comme « Ah, ça, il faut que je le fasse en théâtre, ça, il faut que je le fasse par écrit » ou la thématique arrive, pas la thématique, mais le médium arrive un peu plus tard dans le processus de création? C'est une bonne question parce que c'est souvent très naturel. Genre, je vais penser à une histoire puis tout de suite, je vais me dire « C'est sûr que c'est je vois des personnages sur scène qui le font. » Ou comme Marie de gâteau sec, c'était certain que c'était pas théâtre. Puis ça m'a déstabilisée parce que le théâtre, c'est la première chose que j'ai fait, c'est ce que je connais. Puis je connais, tu sais, j'ai bien beau lire des romans, j'avais jamais pensé publier un roman, mais je savais que l'histoire de Louane, c'était pas une pièce de théâtre. Fait qu'il a fallu que je m'assoie et je fasse « Ok, je vais essayer d'écrire un roman. » Finalement, je pense que c'était vraiment la meilleure manière de parler de ça. Ben, je pense que c'était très réussi. En tout cas, là, moi, j'ai pas encore lu le deuxième, mais j'ai vraiment aimé le premier. Puis là, ben, j'attends de mettre la main sur la suite. Mais là, tu es très occupée, là, toi aussi. Mais comment t'as toujours été... Ben, t'as beaucoup, beaucoup de talent. Beaucoup de... Tu sais, c'est comme un... T'as comme une immense force d'être capable de faire tout ce qui inclut l'humain, tout ce qui inclut Oui, lui-même. Moi, je trouve que c'est ça, mettons, qui réunit peut-être tout ce que tu fais. Puis comment tu as fait dans la vie pour faire des choix? Oui, c'est la... Je pense que c'est mon plus gros défi, faire des choix, en fait. Uh-huh. Ma meilleure amie pourra en dire beaucoup parce que je l'appelle très souvent en panique pour des décisions qui sont pas si dramatiques que ça, mais je sais pas quoi faire. Puis finalement, c'est elle qui m'enligne sans me dire quoi faire, mais tu sais, elle m'aide à réfléchir sur mes envies puis mes objectifs et tout, mais je pense que j'ai toujours été quelqu'un qui avait beaucoup d'intérêt pour des domaines très différents. Donc, j'étudiais en communication et cinéma, quelque chose de très axé sur la création. En ce moment, je suis en droit, quelque chose d'un peu plus théorique, mais je continue quand même à écrire mon recueil de poésie, justement, puis à faire des performances avec les allumeuses. Je suis intéressée par la cuisine. Puis, il y a plein de choses comme ça que j'essaie d'aller chercher un peu partout. Je pense que ça a été une façon pour moi de canaliser mon TDAH, probablement. Et j'ai un déficit d'attention qui est très, très, très élevé. Quand j'étais jeune, les médecins faisaient des blagues à ma mère en disant « Est-ce qu'on peut l'amener dans un congrès pour démontrer c'est quoi le TDAH? » Ah oh, ouais, l'exemple, c'est le cas. Ouais, le cas modèle. Ouais, ouais. Puis, tu sais, j'ai travaillé là-dessus pendant plusieurs années, puis j'avais développé plein d'outils, mais je pense qu'un de ces outils-là, justement, c'est d'être capable de trouver des projets qui m'intéressent beaucoup, puis de canaliser mes énergies le plus possible là-dedans pour essayer d'arriver à me gérer à la fin de la journée. Donc, je pense que c'est de là que ça vient, surtout. Là. Mais tu pourrais, encore aujourd'hui, tu pourrais être un cas modèle dans des conférences sur la santé mentale, sur le TDAH, de montrer que c'est pas parce que... Tu sais, oui, c'est une contrainte, mais au final, t'as fait énormément de choses, t'as développé tellement d'aspects de ta vie, t'as fait tellement de bénévolat tout ton secondaire, je comprenais juste pas comment tu faisais, tu sais, parce qu'on s'est connus, puis t'étais encore au secondaire. T'étais tout petit! C'était mon secondaire 5. Ça m'impressionnait tellement à quel point tu faisais plein de choses en même temps, mais que tu les faisais avec cœur tout le temps, là, puis à 100%, là, c'était pas à moitié fait. C'est impressionnant que malgré cette contrainte, là, si on appelle ça une contrainte, mettons là, que tu as réussi à faire ça, puis qu'aujourd'hui, ben, tu étudies dans ce que tu veux, tu vas publier un livre, c'est quand même impressionnant. Oui. Mais je pense que j'ai eu accès à beaucoup, beaucoup d'outils. J'ai été suivie en psychothérapie dès mes, j'ai envie de dire, 5 ans. Mon père pourra dire dans les commentaires si je suis en train de mentir, mais depuis que je suis toute petite, pendant près d'une dizaine d'années, j'allais voir une psychologue.
non seulement pour mon TDAH, là, il y avait d'autres questions aussi en jeu, mais ça m'a aidé à développer plusieurs stratégies. Puis j'ai vraiment eu un bon accompagnement de ma famille et tout à travers tout ça. Fait que ça a fini par devenir une force, le TDAH, plus qu'une difficulté. Mais je dirais que depuis le début du confinement, en fait, ça commence à retomber plus au niveau du défi que de la force. Parce que bon, ben, mes repères sont perdus. Puis ça faisait tellement longtemps que ça n'avait pas été un défi non plus, qu'il y a plusieurs stratégies auxquelles je pensais plus activement. Donc, il faut que je réapprenne tout ça, puis que je me rappelle que, ah, ben oui, tu sais, c'est normal que j'ai de la difficulté à commencer des tâches, puis c'est pas parce que je suis paresseuse, mais premièrement, mm-hmm. on est en plein milieu d'une pandémie, puis c'est très normal de pas avoir d'énergie. Mais en plus de ça, tu sais, j'ai un TDAH, puis ben mon cerveau est fait de façon à ce que... est-ce que justement, j'ai de la difficulté à commencer des nouvelles tâches, puis bon... Je pense des liens avec la dopamine qui se font pas. J'ai écouté des vidéos sur le cerveau la semaine passée. Mais c'est ça. Puis c'est de réapprendre tout ça puis de me renseigner sur comment ça se présente chez un adulte aussi parce que j'étais tout petit, tu sais, quand j'ai fait de la thérapie. Donc, les stratégies sont utiles, mais pas nécessairement les mêmes que j'utilise maintenant ou les situations que je vivais sont pas les mêmes non plus, là. Ben, t'as pas les mêmes responsabilités, c'était sûrement c'était pour ton développement, pour un côté plus scolaire probablement aussi. Mais est-ce que tu penses que pour les jeunes présentement qui ont un TDA, TDAH, est-ce que tu penses que c'est nuisible pour eux que présentement ils ne sont plus à l'école à cause de la pandémie? Je pense que ça dépend beaucoup, là. J'ai plusieurs amis qui ont des TDA ou des TDAH aussi, puis pour chaque personne, ça s'est présenté de façon différente. Il y en a que ça se présentait avec beaucoup de difficultés au niveau académique. Donc, le fait de ne pas être à l'école, c'est plus des gens qui sont à l'école, mais je les imagine jeunes. Puis, je me dis, le fait de ne pas être à l'école en ce moment, ben, peut-être que ça aurait créé un retard qui est plus grand, mais peut-être en même temps que ça leur aurait permis de travailler sur leur estime personnelle parce que ben, quand ces défis-là se présentent, à chaque fois, puis c'est des gens qui travaillent super, super fort, puis là, tu te dis, mais comment ça que je suis pas capable de réussir? Donc, d'avoir une petite pause, puis de rester avec sa famille, puis de travailler sur autre chose que l'école, ben ça peut aussi être quelque chose de bénéfique à un certain sens. Ouais. Mais je pense qu'il y a un écart scolaire qui va clairement se créer, pas seulement pour les gens qui ont une TDAH, mais en général, pour les étudiants qui avaient le plus de difficultés, puis les gens qui peuvent plus difficilement avoir du support à la maison, que ce soit parce que les parents ont besoin d'avoir plusieurs emplois en même temps ou parce que les parents n'ont pas le même niveau d'éducation puis ne peuvent pas autant aider leur enfant, ben, on se met pour avoir ce support-là. Puis les gens qui sont beaucoup plus avancés à l'école, ben, puis qui aiment ça, ben, ils ont fait leurs devoirs pendant les derniers mois, puis maintenant qu'ils retournent tranquillement sur les bancs d'école, ben, ça va bien pour ces personnes-là. Donc, ouais. Mais tu sais, toi aussi, tu as travaillé sur plein de projets. Tu as ta propre compagnie depuis 2 ans que tu diriges magnifiquement. J'ai vu deux de vos productions, All the Way, qui étaient présentées à Premier Acte, puis Poulet de Spotlé aussi dans les parcs de Québec, qui était vraiment un chouette spectacle. Puis tu travailles sur plein de projets, mais tout ça avec l'anxiété, est-ce que tu penses que ça vient te nourrir dans ta création parce que c'est quand même un sujet qui se retrouve dans plusieurs de tes œuvres ou est-ce que c'est plus un défi? Est-ce que c'est un peu tout ça? Mais des fois, il y a des fois, là, je me lève le matin, puis là, je regarde mon horaire, puis je me dis pourquoi j'ai choisi un métier si stressant? C'est où? Des fois, je me dis, pourquoi j'ai pas pris quelque chose? Mais c'est ça, quand les gens font beaucoup d'anxiété, ça aide quand t'as une routine, quand t'as vraiment une stabilité, qu'il y a pas, il y a rien de, tout est planifié à l'avance et tout. Puis moi, je vis complètement l'inverse au quotidien, tu sais. Fait que, c'est sûr qu'il a fallu que moi, c'est comme si je sais pas ma vie plus, dans le quotidien, je dois avoir une routine, tu sais, je dois me coucher tôt, je dois bien manger 3 repas par jour, tu sais, des trucs vraiment comme ça qui me permettent d'essayer de diminuer mon anxiété au plus bas. Puis pour le reste, ben c'est du cas par cas, puis bon, j'essaie de m'adapter, tu sais.
Mais moi aussi, j'ai eu besoin d'outils extérieurs, de rencontres extérieures. T'sais, j'ai fait deux psychothérapies dans ma vie. Je pense que pour n'importe qui, là, même quelqu'un qui n'a pas un trouble de santé mentale, c'est extrêmement pertinent d'avoir de prendre le temps, mettons, de se regarder puis de trouver genre qu'est-ce qui peut nous faire. T'sais, peu importe, il y a des gens qui sont, mettons, trop fatigués. En tout cas, de nous faire réaliser plein d'aspects de nous-mêmes. Là. Mais moi, je pense que c'était nécessaire pour essayer, c'est ça, de gérer mon anxiété. Parce que comme toi, ben, c'est quelque chose que toute la vie, on a. Moi aussi, tu sais, quand je retourne en arrière, probablement que très jeune, je faisais déjà des crises d'angoisse. Il y a plein de choses que je comprenais rien, que finalement, je suis pas mal certaine que j'avais déjà beaucoup d'anxiété, tu sais, étant jeune. C'était moins connu à l'époque aussi. Ben oui. Ouais. Tu sais, on en parlait très peu. Tu sais, ça m'est arrivé là, d'aller voir plein de fois le médecin, puis tu sais, qu'on fait juste, ben, ah, t'es fatiguée. Tu sais, ah, j'ai mal aux muscles de ma poitrine. Ah, mais c'est juste, t'as fait du sport. J'étais en sport-études, fait que c'était comme, ah, c'est juste comme, t'es raqué. OK, tu sais, mais c'était ça, là, c'était pas pour des personnes mal intentionnées, là, nécessairement, mais ça a été long avant de comprendre, mais une fois qu'on comprend, ça aide, puis là, qu'on rencontre des gens, puis que, tu sais, qu'on se fait, c'est ça, on a des ressources, on se fait donner des outils, puis effectivement, je pense que je trouvais ça important, d'en parler dans mes romans, parce que oui, c'était quelque chose que je connaissais, mais je trouvais aussi, tu sais, moi, en tant que libraire jeunesse, je vais être naturellement attirée vers des livres plus, qui parlent de sujets plus sociaux, plus psychologiques. Puis je trouvais que ça manquait. Oui, ça, il y a quand même des livres qui parlent d'anxiété, mais tu sais, au Québec, puis je trouvais ça important d'en parler d'une manière plus. De le mélanger avec de l'humour, avec toutes les autres choses qu'une adolescente va vivre aussi dans sa vie, que ce soit pas sombre, que ce soit pas lourd. Moi, en tant que libraire, je le trouvais pas, ça, aussi. Mm-hmm. J'avais cette chance-là d'avoir tellement accès à plein de littérature. Ben, on dirait que ça m'a donné aussi un petit courage pour faire « Ah, mais je pense que je pourrais le raconter parce que je connais ça, puis parce que je pense que c'est un besoin. » C'est que mon livre n'est pas un service essentiel. Mais c'est un bon livre. Merci. Mais oui, j'en suis fière quand même. Oui. Je pense que ce qui est agréable aussi, c'est que ça ne se lit pas comme une encyclopédie médicale. Donc, ça parle d'anxiété, puis ça explique comment le personnage se sent, mais il y a tout un univers autour, puis il y a tellement des belles amitiés. Je pense que c'est ce qui m'a marqué le plus, là, les deux meilleurs amis de Louane sont des personnes exceptionnelles, puis ça fait du bien de voir ça aussi, puis de comme tu dis, de se concentrer sur tous les éléments là, de la vie de cette adolescente-là, puis que ça soit pas seulement une présentation de l'anxiété. Je pense que c'est une belle œuvre complète, puis j'ai beaucoup aimé. Merci, Stéphane. Oh! Mais oui, je trouve que c'est un sujet... je trouve que la santé mentale... on en parle beaucoup plus déjà dans la littérature jeunesse. On dirait qu'il y a moins de crainte. C'est beaucoup, les jeunes acceptent. T'sais, moi, c'est pas que du monde qui sont anxieux qui lisent « Ma vie de gâteau sec ». Ça leur parle aussi. Je trouve qu'on ouvre une porte et un dialogue encore plus grand dans la littérature jeunesse présentement. Puis ça donne espoir, je trouve. Je trouve ça beau. Mais t'en as lu des textes aussi dans la littérature adulte. T'en as lu aussi là, qui parle de santé mentale. Mais toi, est-ce que ça a un lien avec aussi ton recueil qui s'en vient? Est-ce que tu traites de ça un peu? Un peu. En fait, mon recueil, ça part d'un texte que j'avais écrit il y a 2 ans quand je me suis séparée avec ma copine de l'époque. Puis je parle beaucoup d'isolement, mais je parle beaucoup, en fait, de détresse psychologique parce que à cette époque-là, donc au début du cégep, j'étais dans une phase assez difficile au niveau... j'avais pas de diagnostic de dépression ou quoi que ce soit.
Mais tu sais, j'étais suivie par 3 travailleuses sociales, puis je suis allée voir plusieurs psychologues. Puis j'avais ce que ma travailleuse sociale appelait des pensées obsessionnelles compulsives. Ouais. Donc, c'était comme cette idée-là du suicide qui revenait tout le temps et tout le temps et tout le temps. Puis qui est très lourd à vivre quand on se sent isolé, en fait. J'avais un super bel entourage, puis j'ai des amis qui sont exceptionnels, puis une famille vraiment merveilleuse, mais je me sentais seule. Et donc, je vivais ça à l'intérieur, puis c'est un peu de ce dont je parle dans mon recueil, en fait. Il y a d'autres sujets qui sont abordés, mais c'est un élément qui est assez central. Je parle beaucoup de ce que la création, puis ce que la littérature m'a apporté pendant cette période-là, puis pendant toute ma vie aussi. Ouais. Parce que c'est central. Oui, tu as commencé à l'écrire durant cette période-là? Oui. Okay. Donc, le premier jet, je te dirais, ça a été la semaine, je peux même t'identifier la semaine, c'était la semaine après la fête du travail. OK. Pendant la semaine, puis là, j'ai produit ce texte-là. En une semaine. Puis là, après ça, je pense la semaine d'après ou quelques semaines après, je l'ai retrouvé sur mon ordinateur. Puis je me suis dit, ah, c'est pas si pire. Donc, je l'ai envoyé à ma meilleure amie en lui disant, j'ai écrit ça il y a quelques jours, quelques semaines, peu importe. Peux-tu me dire ce que tu en penses? C'est peut-être n'importe quoi, mais en tout cas, tu me diras. Puis elle a eu une réponse qui était assez positive. Donc là, je l'ai envoyé à mon père, qui est souvent... la personne qui révise mes textes. Au départ, c'était plus pour des textes journalistiques parce que j'étais dans le journal étudiant au secondaire puis au cégep, puis c'est lui qui m'aide à faire mes corrections. Mais maintenant, c'est plus pour des textes de création vraiment que je lui envoie. Donc là, je lui ai envoyé en deuxième personne. Ça a été la deuxième personne à qui je l'ai envoyé parce que j'avais déjà un commentaire positif, fait que là, je me sentais à l'aise de lui envoyer. Puis il m'a dit, ben, tu devrais envoyer ça à des maisons d'édition. Donc là... je me suis essayée auprès des éditions Ta Mère, puis je l'ai envoyé à Mémoire d'Encrier, je pense un an plus tard, en octobre, puis j'ai eu une réponse positive. Puis je l'ai retravaillé, donc le texte actuel a absolument rien à voir avec le premier texte, c'est les mêmes idées, il y a certains vers qui ont été gardés, mais on est vraiment, vraiment ailleurs. Mais ça a été travaillé pendant un an et demi avec le comité de lecture, là. Donc c'est vraiment un projet qui m'a porté pendant tout mon cégep, en fait, là. Oui, c'est ça, à parallèle à tes études. Quand. Puis comment tu te sens de que ton premier recueil sorte en pleine pandémie? T'sais, parce que cet automne, c'est sûr que ça ne sera pas revenu comme avant. On ne peut pas nécessairement prévoir un lancement traditionnel. Je pense que j'ai un gros mélange d'émotions. D'un côté, je me sens absolument et incroyablement privilégiée d'avoir cette opportunité-là de sortir ma parole puis de pouvoir publier, spécialement en ce moment où il y a tellement de choses qui vont pas bien, ben ça, tu sais, ça me fait vraiment du bien, puis je suis vraiment fière de ce projet-là, puis reconnaissant pour tout le support que j'ai reçu de plein de monde. Puis d'un autre côté, ben c'est sûr qu'il y a eu le petit deuil à faire sur le lancement parce que, bon, c'est quelque chose dont on parlait pas encore sérieusement, mais on commençait à parler... En décembre avec la maison d'édition, puis bon, réfléchir à comment est-ce qu'on voulait faire ça, puis là je me dis, ah, ça pourrait être comme une invitation aux artistes de la relève, puis là on fait un spectacle tous ensemble. Puis, peut-être qu'on va pouvoir faire quelque chose en ligne, il y a plusieurs plateformes là, très intéressantes, mais c'est pas accessible pour tout le monde non plus, ce qui me rend un peu plus triste, j'ai beaucoup d'amis qui n'ont pas accès à du Wi-Fi constant en ce moment, ou pas du tout, donc ça va être différent, mais bon. Ça va être un beau défi. Puis, mais mettons, toi, on pourrait... Je sais pas, là, si toi, comment tu te sens là, par rapport aux réseaux sociaux, là, puis à tout ça, tu sais, parce que là, on n'a comme pas le choix, tu sais, on a l'impression que... en tout cas, je peux parler pour moi, là, parce que je sais pas pour toi, là, mais tu sais, moi, j'ai l'impression que pour garder un contact, vu que, mettons, les salons du livre sont annulés, tout est annulé, ben je me dis, il faut que je sois plus présente sur les réseaux sociaux, que j'essaie de... C'est ça, de garder un certain lien, mais tout en restant très naturel, là, puis quelque chose qui me ressemble. Et comment tu te sens, toi, par rapport à ça, tu sais, ouais. Ben ouais, le fait de
est-ce que tu es à l'aise de donner ton opinion sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu vas être à l'aise de parler de ton livre avec cette distance-là? Je pense que j'ai toujours été quelqu'un qui était très actif sur les réseaux sociaux. Donc, ça n'a pas vraiment changé depuis le début de la pandémie. Je pense que c'est surtout Facebook que j'utilise, en fait, là, mais ma présence est passée continue. Je pense que ça va être particulier par rapport au livre parce qu'il y a quelque chose de très intime dans la poésie. Oui. Puis cette intimité-là est plus difficile à avoir sur une plateforme qui est virtuelle quand on n'est pas en contact avec les gens, quand on n'a pas de rétroaction qui est directe, puis qu'on ne peut pas avoir une discussion continue nécessairement. Ouais. Un des aspects, en fait, des plateformes de réseaux sociaux, c'est qu'on publie quelque chose, puis par la suite, mais peut-être qu'il va avoir un retour, mais c'est pas un contact qui est direct tout le temps. Ouais. Donc, ça va créer un rapport vraiment, vraiment différent. Puis je trouve ça un peu particulier de partager cet intime-là, mais sur le web au lieu de le voir en personne. Ouais, non, c'est vrai. Ouais, puis particulièrement pour la poésie, c'est tellement commun. Ben, tu sais, il y a tellement de soirées poétiques, tu sais, c'est ça où les auteurs viennent partager ce qu'ils ont écrit. C'est quelque chose de, c'est ça, d'effectivement intime. Ça va être comme étrange. Quoique, tu sais, je pense qu'il y a d'autres manières de peut-être. En tout cas, il y a une fille que je suis une autrice que je connais qui a sorti son recueil dernièrement, là, puis qu'elle est allée dans la rue, là, tu sais, lire ça. C'est super beau, là. Fait que, tu sais, je pense que c'est comme une autre manière de rejoindre le monde, puis de faire, gars, j'ai envie de vous partager ça, j'ai envie. Peut-être qu'elle, je ne sais pas, là, mais peut-être qu'elle a trouvé ça plus trop froid avec l'écran, là. Il y a eu une initiative que j'ai vue aussi, que j'ai vue passer sur les réseaux sociaux, mais qui était à l'extérieur, où des gens faisaient des affiches avec des extraits de poèmes, puis allaient les laisser dans des endroits publics. J'ai trouvé très chouette aussi. Ouais. Mais encore, il y a encore des plateformes, tu parlais des soirées de poésie tout à l'heure, il y a encore des plateformes virtuelles. Ouais. Moi, avec mes amis, on organisait Pas de répit pour la poésie, qui était une plateforme, en fait, des soirées de partage, qu'on appelait. Donc, de micro ouvert à la librairie anarchiste La Page Noire à Québec l'été passé. Puis là, on vient de commencer en ligne. La semaine dernière, en fait, on a eu notre première soirée. Donc, il y a cet espace-là qui se crée. Il y a Corona Culture aussi sur Instagram, où chaque jour, il y a un artiste différent qui est en résidence, qui partage des choses. Fait que je pense que il y a beaucoup de créativité dans le milieu en ce moment pour essayer de trouver des nouvelles façons de partager notre art. Ouais. C'est stimulant, même si on perd des choses qu'on aimait, il y a d'autres choses qu'on découvre. Oui, je pense que c'est sûr qu'il faut le voir comme ça. Puis comment tu sais, le gouvernement nous parle beaucoup du fait que les artistes, on doit se réinventer présentement. Moi, ce mot-là m'énerve un petit peu, mais comment toi, tu te sens par rapport à ça? Donc, c'est ce qui nous donne aucune réponse, sauf ils disent « Ah, mais vous êtes capable, là. Réinventer! » Je ne sais pas comment je me sens par rapport à ça. C'est sûr, j'ai des projets qui sont nés du fait de la pandémie puis du livre en ligne. Fait que, par exemple, avec le collectif des Allumeuses, on est en train de déposer un dossier devant le Conseil des arts pour faire un balado poétique où on lirait des extraits de poèmes puis on ferait des rencontres avec d'autres artistes pour parler de leur démarche artistique, parler de leur art. Donc, c'est ça, on est en train de monter le dossier pour ça. Puis c'est un projet, on parlait déjà de faire peut-être un balado, mais c'était comme éventuellement après d'autres projets. Puis finalement, quand tout est passé en ligne, on s'est dit la priorité va là-dessus parce qu'il faut qu'on trouve une façon de rejoindre les gens. Mais il y a d'autres projets aussi, comme une soirée de poésie que je voulais organiser qui n'aura pas lieu avant je ne sais pas combien de temps. Donc, c'est sûr que c'est difficile de se concentrer uniquement sur le positif parce que c'est déjà, je veux dire, être artiste est déjà une situation extrêmement précaire qui est seulement rempirée par la situation actuelle. Donc, c'est juste pour faire dire, il faut se réinventer. Je sais pas, ça paraît un peu facile comme réponse parfois. Mais parce que c'est pas comment ça se voit.
Ben, c'est ça notre métier à la base, toujours, toujours réinventer, réinventer. Et puis là, j'ai l'impression que c'est juste que là, ça implique énormément que on doit, tu sais, seul chez nous, créer plein de choses, tu sais, bénévolement. Mais tu sais, c'est super, là, tu sais, il y a plein d'affaires que ça me dérange pas du tout. Je pense que ça fait partie du métier de prendre son temps à soi. Mais tu sais, c'est comme si là, on nous. Il demande aux musiciens, ah, tu sais, faites-nous une chanson sur la COVID, là. Mais tu sais, c'est comme, OK, tu sais, c'est tout le monde est prêt, là. Oui, on est créatif, là. Oui, on est capable on est toujours capable d'attraper ce qui se passe puis de le transmettre, mais c'est comme si on doit le faire présentement. C'est comme tu dis, c'est déjà extrêmement précaire comme métier, mais là, on doit le faire aussi sans argent, puis seul, donc pas en équipe, là. Puis on doit, c'est comme si on doit se fournir. Il y a comme une pression aussi de genre, on a du temps présentement, fait qu'il faudrait performer. Il faudrait vraiment bien utiliser notre temps. Parce que ça arrivera plus jamais, tu sais. Ben, en tout cas, on ne sait pas, là, mais pandémie 2, peut-être. Mais je ne le souhaite pas. Mais tu sais, c'est comme si, ça faudrait toujours, toujours, toujours produire. Là. Il y a comme un, moi, je me sens, j'ai l'impression, je sens une grande pression là, de performer puis de m'assurer que tout, c'est de continuer à créer. Mais tu sais, j'ai l'impression d'avoir trouvé, en tout cas, tu sais, moi, je fais des petites capsules pour aider à diminuer l'anxiété présentement. Là. Mettons, ça, c'est la seule affaire que j'ai trouvée, là, que je me sens bien à le faire. Je trouve que ça a un lien avec la pandémie, ça a un lien avec mon livre. Puis, je m'amuse, là, tu sais, oui, c'est du temps, parce qu'il faut l'écrire, il faut le tourner, tu sais. Mais présentement, moi, c'est la seule affaire que je me sens bien. Est-ce que ça t'aide à diminuer cette pression de performance-là, ou en fait, c'est la pression de performance qui se reflète dans la production de cette capsule-là? Ben ça m'aide quand même à. J'ai l'impression de faire quelque chose. J'ai l'impression d'être quand même utile. Tu sais là parce qu'on voit tellement de témoignages de gens que c'était pas leur métier puis là qui décident d'aller dans les CHSLD, mettons. Tu sais on voit des gens avec du courage avec tu sais des choses que je m'imagine pas faire du tout là. Tu sais je pense pas avoir cette capacité-là là moi d'aller de m'habiller là avec le masque là, puis les gants puis tout t'sais. Quoi qu'on porte le masque à la librairie maintenant mais c'est pas pareil t'sais, je me vois pas aller essayer de ravaler mes émotions là puis ma sensibilité devant t'sais, des personnes âgées qui souffrent là. Je vois ça mais je vois des gens qui essaient d'être utiles ou qui vont dans les champs t'sais, travailler des trucs de fou puis là je me dis bon moi je sers à quoi t'sais, même si c'est tout petit. J'ai l'impression que mes petites capsules, présentement, je me sens un peu plus utile. Je me sens que je parle aux gens. Sans trop non plus être dans « je donne mon opinion d'artiste », qui est correct parce qu'on a tous le droit à la liberté d'expression, mais ça peut devenir aussi, là, on en voit beaucoup d'artistes présentement qui décident de parler de tout, 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 de donner leur opinion sur tout. Puis ça crée des messages comment dire, pour être poli. Non, non, mais en tout cas, tu sais, ça. Oui, c'est ça. C'est... Je ne sais pas à quel point présentement tout le monde doit donner son opinion. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses, là. Mais je pense que ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que le fait que celles qu'on va entendre le plus souvent, c'est des gens qui avaient déjà une plateforme avant, puis qui ne sont pas nécessairement les personnes qui sont le plus touchées ou le plus affectées par la crise. Fait que je me demande toujours, tu sais, la plateforme qu'on prend, la place qu'on prend, l'espace de discussion, est-ce que c'est en train d'enterrer la voix de quelqu'un d'autre? Puis quand on parle des artistes qui doivent se réinventer, mais pour qui est-ce que c'est plus facile d'aller en ligne? Ben déjà, les gens qui avaient déjà de l'équipement, qui avaient déjà une plateforme en ligne qui était une plateforme solide. Donc, on parle de followers, on parle de, bon, peut-être un public plus jeune, c'est plus facile aussi. Parce que, bon, en ce moment, je sais qu'il y a beaucoup de personnes
plus âgés qui ont de la difficulté avec les nouvelles plateformes en ligne qui se créent. Oh, ouais. Puis cet accompagnement-là, ben, ça va être un accompagnement qui est nécessaire pour être capable, pour être certain que tout le monde est capable d'accéder à ce qui se crée. Puis Julie Collin aussi, que je viens de voir dans le chat, qui envoie cette pression ne prend pas en compte que ce ne sont pas tous les artistes qui ont du temps, mais c'est vrai aussi, tu sais, il y a des artistes en ce moment, tu nommais des gens qui sont allés sur les front lines puis qui travaillent, ben, c'est le cas de plusieurs artistes, il ne faut pas croire que ben, c'est ton cas aussi, je veux dire, les artistes ne sont pas qu'artistes, mais ont d'autres métiers à côté pour être capable de survivre, parce qu'à la fin de du mois, il faut être quand même capable de payer le loyer puis de, oui. de manger et tout ça. Donc, c'est pas... c'est un peu simple de se dire il faut se réinventer quand à côté, ben, la personne, elle va travailler à l'épicerie, puis elle est en librairie, puis elle va aider dans les foyers pour personnes âgées. Ben, à la fin de la journée, une fois que les enfants sont couchés, peut-être que tu es juste fatigué puis que tu n'as pas l'énergie de trouver ouais. comment transformer tes créations de façon virtuelle. Ouais, non, c'est ça. Effectivement. Puis oui, c'est comme tu dis, c'est faut du matériel, faut, ça se fait pas de même. Là, tu fais pas comme OK, je me filme puis je transmets quelque chose. Ça engage beaucoup de choses. Puis effectivement, c'est pas accessible à tous. Là, on oublie là, qu'on a l'impression que c'est la manière aujourd'hui là, de créer, d'ouvrir des dialogues, mais c'est pas pour tout le monde. Là. Ouais. Et là, on voit une question ici. Et en librairie. Oh. Ça, c'est plus pour toi. Moi, je suis plus là. Ouais. Je vais revenir un jour. Ben, déjà, tu sais, bon, la librairie partout a été incroyable pendant la pandémie. Là, moi, je n'étais pas présente là, quand on était fermés, là, mais mes collègues. En fait, déjà, c'est les clients ont été. Ça a été extrêmement précieux parce que là, on avait vraiment peur. T'es toute ferme, il n'y a plus rien qui fonctionne. Là, les clients ont été au rendez-vous. Là. On a eu énormément de commandes web. Puis, j'ai des collègues qui ont travaillé du temps plein là, à juste faire ça. Là. Fait que c'est comme, autant c'est extrêmement positif, autant ça les a quand même fatigués là, de tout, de se concentrer uniquement pour ça. Là. Ton métier est maintenant, genre, je m'occupe d'envoyer un livre à la poste, qui est quand même incroyable là, qu'on a continué à faire ça. Puis là, ben en librairie, on est ouvert, mais sûr, on a des consignes de la santé publique. Puis nous, on porte des masques pour que le client se sente à l'aise. Mais ça fait du bien, là, tu sais, de recommencer à conseiller des livres, d'en parler. Tu sais, oui, on sent la distance, là, tu sais, concrètement, elle est là. Puis on parle, j'essaie de parler plus fort dans mon masque là, parce que j'ai des clients plus âgés, puis ils entendent pas. Puis, tu sais, il faut comme s'adapter. Mais on sent que les gens avaient un grand besoin de lire. C'est un grand besoin de autant d'être diverti, de d'ouvrir sur d'autres sujets, tu sais, des nouveaux sujets. Ça va être long à remonter la pente, mais je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour que ça aille bien. Puis je pense que c'est ça. Les librairies, c'est quelque chose qui va survivre. J'ai l'impression. Je croise les doigts. On croise les doigts. Oui. Oui. Mais toi, est-ce que tu voulais lire un extrait? Je veux bien, mais là, il va falloir que j'en... Moi-même, ça me gêne vraiment là, de lire un extrait. Est-ce que tu veux que j'en lise un de ton livre? Mais là, moi, je ne pourrais pas lire un extrait de... Ah, mais je peux t'en envoyer un. On peut faire ça. Oui. Si t'es à l'aise. Oui. Oui? OK. Attends, mais il faut que je choisisse qu'est-ce que je t'envoie. OK, mais pendant ce temps-là, oui. Pour les gens qui sont là, il y a une question dans le chat qui nous demande est-ce qu'il y a des choses qui nous ont manquées pendant le confinement? Ben moi c'est de voir les jeunes, tu sais je commande, toi et moi on commence dans le littéraire en tant qu'auteur, tu sais. Fait que je commençais là, à avoir la chance, le privilège incroyable de voir les jeunes, de leur parler, tu sais
autant, c'est ça, dans les salons du livre. Là, je commençais à faire des rencontres dans les écoles. Moi, j'ai la chance que, vu que je suis à la librairie, puis il y en a certains qui, ça commençait à, ils commençaient à savoir que je travaillais là, ben, ils venaient me voir à la librairie. C'était quand même extrêmement précieux, là, c'est assez incroyable. Là, tu m'en vas faire ma journée de libraire tranquillement, puis je pleure des livres, puis soudainement, je passe pendant 15 minutes à parler avec une jeune fille qui fait de l'anxiété, puis donc, c'est assez incroyable. T'sais. Fait que ça, je commence à y prendre goût. Tu sais, c'est ça. C'est quand même. Il n'y a pas tous les auteurs non plus qui ont un accès réussi direct, là, tu sais, dans mon milieu de travail. Mais ça a coupé, là, tu sais, de voir l'école fermée, donc mes rencontres annulées, le Salon du Livre de Québec, ça m'a fait de la peine. Tu sais, c'était ma première fois à Québec. En même temps, tu sais, on est tous dans le même bateau, on vit toute la même affaire. Mais ouais, je pense que c'est les jeunes qui m'ont le plus manqué. Là, égoïstement, j'ai commencé à prendre goût à ça. Parce que normal aussi, je veux dire, quand tu écris une œuvre pour adolescents, c'est parce que tu veux cette rencontre-là avec les jeunes, tu veux être capable de dialoguer sur ce sujet-là, puis d'avoir ce contact humain-là. Fait que je pense que c'est une grande partie de l'expérience de lecture aussi d'avoir ce dialogue-là. Puis, surtout quand on travaille en librairie, là, je veux dire, tu as vraiment tous les aspects. Tu as l'aspect de la création, tu as l'aspect du conseil, la lecture, puis après ça, la rencontre. Puis là, ben, ça vient enlever une grosse partie. Là. Ouais. Ouais. Toi, c'est quoi qui t'a le plus manqué pendant le confinement? Je pense que c'est ma grand-maman. Mais pour vrai, ben, parce que ma grand-mère est malade en ce moment. Je n'ai pas trop élaboré parce que, bon, on est en Facebook Live avec plein de gens et que je ne peux pas partager des choses sur elle qu'elle n'aimerait pas que ce soit partagé. Mais c'est ça, on n'est pas dans la même ville. Puis on ne peut pas se parler au téléphone très longtemps parce que ça la fatigue vraiment beaucoup. Donc, je lui ai envoyé des messages sur Facebook, mais moins à l'aise avec Facebook, fait que je vais commencer à lui envoyer des courriels maintenant. Mais je pense que c'est difficile de ne pas être dans la même ville puis de savoir que ça ne va pas nécessairement bien. Puis d'avoir de la difficulté à se contacter, même si je pourrais absolument rien changer si on était capable de se contacter. Oui, mais c'est ça. Ça m'a causé beaucoup de stress dans les derniers mois. Puis je pense que c'est quelque chose qui a joué beaucoup aussi sur mon humeur. Puis probablement sur mon TDAH aussi, parce que ça a ajouté un facteur de stress. Ouais, une pensée de plus. Là, tu penses tout à ça. Puis de la peur, là, de. Est-ce qu'elle se sent toute seule? Est-ce que. C'est terrible là, de ne pas avoir accès, là, tu sais. Ouais, nos grands-pères. Moi, mes grands-pères sont décédés, mais tu sais. C'est. Moi, je me trouve chanceuse d'avoir un copain, d'habiter à deux. Ouais. D'être avec quelqu'un, là, c'est comme. Je me trouve extrêmement chanceuse, tu sais, de pouvoir. Partager le stress, gérer ensemble, c'est quand on s'est créé une routine de pandémie, d'avoir des contacts là, humains avec quelqu'un, là, parce qu'on a le droit. Quand même, ça, c'est précieux aussi. Oui, ça, c'est les choses qui me manquent vraiment beaucoup. Là. Moi, j'habite toute seule, mais j'avais deux colocataires au mois de mars, mais c'était deux étudiantes internationales qui sont reparties chez elles avant que les frontières ferment. Puis après ça, j'ai dû déménager à deux reprises, puis j'habitais toute seule. Dans les deux appartements où j'ai vécu, mais celui où je vis en ce moment. Puis, c'est ça. D'un côté, je suis vraiment, vraiment content de vivre seule parce que je me dis j'ai déjà assez de difficultés à me gérer moi-même que je serais vraiment pas bien s'il y avait une autre personne. Ouais, c'est ça. Sur soi-même, puis il n'y aura pas de chicane à propos de la vaisselle ou quoi que ce soit parce qu'il y a juste moi qui est là. Mais c'est ça, ce contact humain-là, puis de pouvoir partager le stress, comme tu dis, c'est quelque chose qui me manque beaucoup, de pouvoir faire des câlins. Oui. Je fais beaucoup de câlins. Ben oui! Puis de discuter de plein d'affaires aussi, là, mais tu sais, j'ai la chance d'avoir des amis que je peux rejoindre en ligne, puis on a continué à avoir notre club de lecture, puis c'est quelque chose qui me fait vraiment, vraiment du bien. On se rencontre une fois par semaine, puis on jase d'un texte qu'on a lu. Mais c'est ça, d'avoir ces contacts-là, puis de pouvoir dire comme « Ah, je viens de voir un article sur tel sujet, puis d'en parler avec quelqu'un spontanément », je pense que c'est quelque chose qui est bon aussi, là. Que ça soit pas tout le temps planifié. Oui, c'est quelque chose de naturel,
Mais qu'est-ce que tu lis présentement? Ben, on lit un texte différent chaque semaine. OK. C'est pas comme un livre qu'on lit tout le temps. Donc là, cette semaine, c'est un texte de Noam Chomsky. Ouais. La semaine passée, on lisait sur des jeunes qui venaient soit de ville ou de milieu ruraux, puis qui avaient déménagé pour la ville ou un milieu rural. Puis parler de leur expérience en tant qu'organisateur, puis activiste dans leur communauté, comment est-ce que le fait d'avoir changé de milieu, qu'est-ce que ça changeait, c'était quoi les différents défis en ville, puis les défis dans les milieux moins urbains. Qu'est-ce qu'on a lu d'autre par le passé? On a lu un texte sur l'abolition de la prison. Puis, ça parlait de, en fait, comment est-ce que la judiciarisation avait été utilisée aux États-Unis après les années 60 pour défaire certains mouvements sociaux, principalement le mouvement pour les droits civiques puis l'organisation dans les communautés noires, en justement envoyant en prison des gens qui étaient très actifs dans leur milieu puis étaient des bons organisateurs, puis essayer de briser les liens dans la communauté. Donc, on a discuté de ça. De quoi d'autre qu'on a discuté? On a parlé de Palestine. Plein de sujets chaque semaine. Chouette, là, ça sort aussi de... Tu sais, parce que vu que les gens, ben, ils n'ont pas travaillé pendant longtemps et tout, c'est comme si après ça, les discussions Skype là, ou FaceTime, peu importe, là, sont comme... des fois, il y a comme... Les gens n'ont rien... Ben, pas rien à dire, là, mais tu sais, il n'y a comme plus tant de sujets à discuter. C'est comme juste, ah, il fait beau, il fait chaud! Non, c'est le fun que vous donnez des sujets comme en profondeur et pertinents. Ça doit aider quand même à... Ouais. Oui, puis je pense que d'avoir ça comme routine aussi, ben non seulement ça me permet d'apprendre, mais ça permet d'avoir quelque chose to look forward to. Donc, ouais. À chaque semaine, j'ai vraiment hâte que le rendez-vous arrive, puis ça crée comme une sorte de rituel aussi. Donc, j'ai mon club de lecture le samedi. Le dimanche, j'ai un rendez-vous par Skype avec la famille. Puis, ça permet de retrouver un certain sentiment de normalité, même s'il n'y a absolument rien de normal dans tout ce qu'on vit en ce moment. Ouais. Mais je suis d'accord. Là, je pense que la socialisation, c'est une compétence qui se pratique et qui s'oublie. Il y a des moments où je suis au téléphone avec des amis, puis je sais simplement pas qu'est-ce que je suis supposée dire à quelqu'un. Je comprends. C'est pour ça que je trouve que c'est vraiment une bonne idée de se donner des thèmes. Tu sais, ça peut avoir de l'air, c'est ça, peut-être trop planifié, mais en même temps, je pense que ça doit être un des seuls moyens présentement d'aller plus loin là, que parler de la température. Oui. Je suis en train de t'envoyer le texte, ça sera pas long, mon téléphone est juste très lent. Okay. Mais je vais t'envoyer ça. Moi, je peux te montrer ce que j'ai lu dans... Moi, je l'ai à côté de moi, en plus. Moi, j'ai eu ça. Oh! Il est tellement beau. C'est vraiment beau. J'avais peur parce que là, c'est ça, on dirait que j'essayais de pas lire des trucs trop émotifs ou difficiles. Là, quand on me disait, je vais essayer de... tu sais, comme mettons quand la pandémie a commencé, j'étais en train de terminer le consentement, tu sais. Mettons. C'est ça. Puis, mais il y a quelque chose de vraiment beau dans ses dessins, dans la manière de parler. Tu sais, ça parle du rapport du corps, ça parle d'anxiété, au final, on traverse ça, de dépression. Mais il y a quelque chose de comme doux aussi, là, puis de beau, puis de... Puis, je pense que le fait que ce soit un roman graphique, ça... J'étais comme plus à l'aise de l'accueillir, on dirait. Mais je te le conseille, c'est vraiment beau. Il a l'air très, très beau. Ouais. J'espérais, si j'avais vu qu'au Salon de ville de Montréal, elle faisait des dessins, tu sais, pour chaque personne dans le livre, que je me disais, ah, oh, à Québec, je pourrais aller la voir, puis lui demander, tu sais, mais là, ouais. Un jour! Ouais. Moi, je suis en train de lire Pour elle toute, qui est l'essai, c'est Pour elle toute, femme contre la prison, qui est un essai qui est publié chez Luxe, qui parle des liens entre le féminisme puis
l'abolitionniste carcéral. OK. J'avais commencé ça au début de la pandémie, puis c'est ça, on dirait que mon niveau de concentration pour lire des essais est très limité, donc j'y vais petit bout par petit bout. Ouais. Mais il est vraiment bon, c'est super intéressant. Puis j'ai écouté beaucoup de livres audio, je pense que c'est ce qui m'a fait du bien dans les deux premiers mois là, du confinement. Parce que j'avais envie de m'évader, en fait. J'avais besoin de penser à autre chose, puis j'avais beaucoup de difficultés à rester avec moi-même puis avec mes pensées, fait que ça me prenait quelque chose d'autre pour me déconnecter, en fait. Là. Puis c'est ça, sur le site de Radio-Canada, il y a comme une super belle sélection de livres audio, de littérature québécoise. Donc, j'ai écouté ça pendant un mois complet, je pense, faisant ma vaisselle, en pliant le linge, en faisant absolument toutes les tâches chez moi, même le soir avant de me coucher. Puis, c'est ça m'a fait vraiment, vraiment du bien. Ah oui, mais ça, moi, je l'ai fait, mais pour le théâtre plus, là. C'est autant sur Radio-Canada aussi, il y a théâtre à la carte, ouais. Il y a du théâtre audio. Sinon, il y a, tu sais, Théâtre Nouveau Parking qui ont fait aussi comme un radio-théâtre. Oui, je n'ai pas encore écouté. C'était bien? Oui, c'est vraiment intéressant. C'est, moi aussi, c'était comme je filais plus pour me faire raconter quelque chose que de m'asseoir puis de lire. Là, on dirait que ça a fait du bien. Là, j'écoutais ça en faisant aussi toutes mes tâches, en faisant des casse-têtes. Beaucoup de casse-têtes. Puis, effectivement, c'était pertinent. Que c'est chouette d'avoir ça gratuit sur les plateformes. Là. Après ça, tant que les exactement. Ouais. Là, tu as réussi à m'envoyer un extrait? Oui, j'ai envoyé un extrait. Je te l'ai envoyé par Messenger. OK. Il y a Marie-Ève qui l'a eu. Je ne sais pas si toi tu l'as. Je vais passer par là. Je vais te dire quelque chose des autres. OK. Tu l'as. Ben oui, il y a des mots en anglais partout. Ah, veux-tu que je les lise moi-même? Mais moi, j'ai envie de t'en... Ben, j'ai envie que tu le lises. OK, mais je peux le lire. OK. OK. C'est, en fait... donc, c'est un extrait du recueil que je vais publier à l'automne, dont je ne vous donne pas le titre parce que c'est un secret pour le moment. Ça fait partie du jour 1. Le recueil est divisé en 5 jours différents. Puis ça, on sait, ce sont les textes sur lesquels le recueil s'ouvre. Blue screen of death, mon regard, je m'éparpille. Tour à logement, un casse-tête échappé par la fenêtre. Fragmentée, incomplète, affaiblie, mais pas légère, non. Ça, plus jamais. Penser à demain, vomir. Des morceaux de mon corps dans le désordre de l'appartement. Ma tête, le panier à linge sale. Mon cœur, le fond du garde-robe de cèdre. J'ai cassé tous les miroirs. Combien de vies de malheur, je ne sais pas. Stupide, puissante, culpabilité. Quand tu nous tiens, ne démords pas. Des deux mains, il en reste beaucoup trop. Je danse avec mon ombre, crie à tue-tête. Ton silence lourd me ronge de l'intérieur. Je ris face aux murs qui me contiennent pour m'empêcher d'exploser. Fake it till you make it, je ris comme d'autres pleurent. Je suis forte et indépendante. Je ris de désespoir, je ris de tristesse, je ris de mélancolie, je ris. Lire, c'est contemporaine pour se rencontrer. Daria écrit « Nous aurons appris à crever pour accompagner nos tumeurs ». Je lis à haute voix les mots de Maud et valse sur le tempo créé par l'écho de mes paroles. Elle me dit que non, que je ne souffre pas de problèmes mentaux. C'est le néolibéralisme qui tue. Ce n'est pas le geste d'une malade, c'est le geste d'une revendication. Je trouve du sens dans leurs écrits miroirs, souffrance partagée. J'ai des rideaux, une estie de chance. Véronique,
ma table de chevet, ses mots. C'est correct, qu'elle disait. C'est correct. C'est correct de pleurer, de rager, d'étouffer, de trop. C'est correct de douter, brailler, shaker, penser, d'en perdre la tête. Il faut se laisser le temps. Voilà. Je n'irai pas plus loin. Je suis full émue, genre. Je me trouve chanceuse de l'entendre avant de le voir, ben avant de l'avoir dans mes mains. Cadeau pour toi. Oh. C'est, ben ça rejoint. Je suis plus heureuse de l'avoir entendu finalement parce que ça rejoint ce qu'on disait de, c'est qu'on écoutait des livres audio, du théâtre audio. Je sais pas. En tout cas, j'ai l'impression que ça fait du bien. On a envie d'entendre les mots. Mais je pense qu'il y a un grand réconfort dans le fait d'entendre la voix d'autres personnes. Je veux dire, même si tu vis avec quelqu'un, tu es toujours avec la même personne, puis d'avoir d'autres voix qui viennent, ça redonne pas un contact humain comme celui qu'on avait avant, mais ça crée quand même cette petite relation-là. C'est le plus proche de contact humain. Oui. Ok. Oui, merci. De rien. Et là, moi, alors là, c'est qui? Et toi, Elisabeth? on est presque fini, là. On est presque fini. Est-ce que tu veux lire pour terminer? J'ai mon petit jello ici, là. En plus, je l'ai pas lu, celle-là. Je l'aime. Et qu'est-ce que je pourrais lire? C'est zéro dans la même énergie, là. Oui. Qui est-ce qui fait des couvertures? C'est Shirley. Est-ce que c'est toi qui as choisi? Non, c'est elle. Elle travaille chez les Malins. Là. C'est elle qui a pensé à ce concept-là, aux couleurs. Elle est juste incroyable. Elle a juste... C'est tellement beau. Complètement. C'est quoi ça? C'est qui ce personnage-là? Ça m'a tellement impressionnée quand elle m'est arrivée avec le premier comme ça. Là. La fille de dos. J'étais genre, mon Dieu, je pensais pas que ça pouvait aussi bien comprendre, mettons. Ça, je suis chanceuse. Puis ça aussi, ça joue, tu sais, c'est... Ils sont attirants. Est-ce que ça faisait étrange d'avoir quelqu'un d'autre mettre ton œuvre en image? Parce que je veux dire, pour le théâtre, c'est un peu ça, mais souvent, c'est toi qui produis tes spectacles. Ouais, c'est vrai. Est-ce que c'est la première fois que quelqu'un... Ben, là, c'est pas moi qui mets en scène les spectacles. Okay. Il y a tout le temps que ça passe tout le temps à travers le cœur de quelqu'un d'autre. Puis après ça, c'est les comédiens et les comédiennes. Fait que j'avais déjà cette sensation-là. Je trouve ça toujours plus fort, toujours plus beau. Tu sais, moi, j'aurais jamais eu la capacité de l'imager. Puis même, on s'en est même pas parlé, elle et moi. Là, ça, j'ai pas dit, mettons, je vois telle chose. Tu sais, ils m'ont laissé ça ouvert. J'aurais pu le dire, donner des images d'inspiration ou pas. Ça vient vraiment, c'est vraiment concentré sur les mots, sur le roman en tant que tel. Puis, moi, je suis vraiment contente. Bon, et ça y est! Il reste une minute. On va tricher. Mais là, le moins, c'est qu'il y a des dialogues, fait que c'est sûr à lire. OK, maintenant, je vais lire un peu le début là, de ma vie de Jello Moore, okay, qui est le temps 2. Okay. Ça fait 70 jours, 4 heures et 30 secondes que je suis dans ma nouvelle école privée. Je pensais que j'allais m'habituer, mais non. Là, il faut que je décrive. Elle appelle sa meilleure amie. Okay. Là, c'est ça, c'est top avec des dialogues. Alice a dit « Hey, que me vaut cet appel en plein milieu de la journée? T'as trouvé 50 cents sur le plancher, trop propre de ton école, puis t'as voulu vérifier si le seul et unique téléphone public de la Terre entière fonctionnait encore? Ma chère Alice d'amour, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de l'appeler à cette heure-là. En plus, les téléphones publics me font peur. Je suis certaine qu'il y a 1 milliard de bactéries d'élèves diplômés depuis 1000 ans sur le continent. Il y a peut-être même des maladies disparues, genre le scorbut, qui attendent juste la petite bouche d'une petite fille sans défense pour recommencer à exister. Mais mon manque flagrant de cellulaire ne me laisse pas le choix. Même si on n'est plus à la même école, Alice et moi, on se voit presque toutes les fins de semaine. C'est bizarre. Le fait qu'on ait chacune nos vies séparées nous a rapprochés. On n'a plus aucun secret l'une pour l'autre. Bon, je sais pas pour elle, mais moi, je lui cache plus rien. Le vendredi soir, j'ai toujours hâte d'entendre ses histoires.
Elle a une vie vraiment géniale. On dirait que pour elle, tout est facile. Comme dans un film ou, je sais pas moi, une émission avec un doublage français pas synchro. Oh, ça va, ça fait une heure! C'est pas juste! Mais, c'est ça, tu sais, achetez-le! Non, mais j'ai envie qu'avant qu'on se quitte, que, de savoir comment tu te sens. Je me sens bien. Oui? J'étais tellement nerveuse depuis que j'ai reçu l'invitation, puis depuis oui. Qu'on a commencé à organiser tout ça. Mais j'étais vraiment contente de te voir parce que ça fait très longtemps. Puis j'étais très contente de passer ce moment-là avec toi. Puis c'est ça, je pense que c'était le fun. J'espère que les gens ont aimé ça. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment aimé ça. Puis je sais pas, il y a comme plein de choses que j'ai apprises sur toi aussi en même temps. Fait que c'était intéressant. Puis je suis vraiment contente d'avoir eu un petit extrait du deuxième parce que... Ben moi, je suis très contente d'avoir eu le privilège d'entendre un petit morceau de toi, comme ça, parce qu'on se connaît, c'est ça, dans le quotidien, on se connaît dans le travail, mais tu sais, ça, c'est autre chose, c'est plus intime. Puis, merci à... Je trouve ça chouette que Mémoire d'Encrier crée ces rencontres virtuelles-là. Puis ça m'a vraiment touchée que tu me demandes de partager ça avec toi. Puis je trouve ça chouette de... Des fois, on met vraiment, tu sais, les auteurs jeunesse ensemble. Tu sais, là, c'est fun, poésie, littérature jeunesse. C'est quand même chouette d'avoir mélangé ça. De briser les boîtes un peu. Ouais, ouais. Fait que c'est ça. Fait que, ben, merci tout le monde. D'avoir écouté. En fait, on voit même pas s'il y a du monde qui écoute. Mais on a dit ça depuis 1000 ans. Mais merci aux gens d'être restés et d'avoir partagé ça avec nous. Bonne soirée. Bye. Bye bye.